bouchées chères bourgeoises, c'est un événement qui est sur 2 jours et demi, du vendredi au dimanche soir. Et l'objectif, c'est de permettre aux habitants et aux visiteurs de Cherbourg en Cotentin de découvrir les établissements culinaires. Alors les bouchées, en fait, c'est que les gens vont dans les établissements qui participent et dégustent soit une miniaturisation d'une de leurs spécialités, soit une création spéciale qui a été faite par les restaurateurs pour l'événement. Alors il y a du sucré, du salé, du végétarien et il y a effectivement des boissons alcoolisées ou non alcoolisées. La ville soutient les bouchées cherbourgeoises depuis la première édition. Aurélie Huard et Mathilde Mochon étaient venus à ma rencontre pour discuter du projet. Nous avons tout de suite été séduits, on trouvait vraiment l'idée originale et puis le succès de l'édition 2016 nous a confortés dans l'envie et le souhait de les accompagner pour cette deuxième édition qui s'annonce d'ores et déjà comme une réussite aujourd'hui. On est vraiment sur une animation originale, singulière, qui permet à travers une balade urbaine et finalement gustative de découvrir tous les restaurants qui peuvent exister à Cherbourg-en-Cotentin et donc leur offrir une vitrine. J'ai été contacté l'année dernière par Mathilde et Aurélie parce que je les connaissais de l'Armoire à Davis quand j'y ai travaillé en fait, et donc leur projet m'a un peu attiré. Et c'est vrai que déjà l'année dernière, pour me faire connaître, c'était un super coup de pub. On s'attendait surtout à avoir une bonne soirée. En fait, on avait fait un excellent week-end l'année dernière. Cette année, ça a l'air d'être encore mieux parti. C'est un super concept. Puis il y a quelque chose de beaucoup plus cool et agréable d'aller chez les uns et faire le tour un petit peu de tous les établissements pour voir ce que proposent certains chez qui on va jamais grâce à ce genre d'événement. À bientôt sur tevie.tv.